Camilla Parker Bowles. Ce beau cadeau de Charles III au détriment de son frère déchu Andrew. Camilla Parker Bowles est la plus haut placée dans la famille royale après Charles III. La reine consort d'Angleterre succède à Andrew de York, le frère déchu du roi d'Angleterre, à un rôle clé dans l'armée. Camilla Parker Bowles, reine consort d'Angleterre, est promue le 21 décembre dernier. L'épouse de Charles III prend un rôle prestigieux dans l'armée. Charles III lui a fait cadeau d'un titre militaire dont le prince Andrew a dû se séparer le cœur brisé. Gros remaniement au sein de la famille royale. L'arrivée au trône de Charles III, 74 ans, a rebattu toutes les cartes. Désormais reine consort, Camilla Parker Bowles, 75 ans, se voit octroyer un titre cher au prince déchu, Andrew de York, 62 ans. Le 21 décembre 2022, Camilla Parker Bowles est nommée colonel des Grenadier Guards. La reine consort succède ainsi au duc de York pour qui la perte de ce titre en particulier aurait été l'humiliation ultime. Le titre de colonel des Grenadier Guards tenait particulièrement à cœur au prince Andrew de York qui s'est vu dépouillé de ses titres à cause de ses scandales. À cause de son association avec le milliardaire pédophile Jeffrey Epstein, le duc de York a été contraint de quitter ses fonctions royales, rappelle le Daily Mail. Ensuite, à cause de l'affaire d'agression sexuelle dont l'américaine Virginia Giuffre l'accuse, le frère déchu de Charles III perd son titre de colonel des Grenadier Guards. Pour rappel, le prince Andrew a hérité de ce titre de son défunt père, le bien-aimé prince Philippe. D'après le Daily Mail, il s'agit d'un rôle de choix que le prince Philippe a assuré pendant 42 ans avant de s'être retiré de la vie publique en 2017. Le tabloïd britannique affirme également que le prince Philippe était aimé à la fois par les soldats et les hauts gradés. Camilla Parker Bowles, la reine consort d'Angleterre à la tête du plus emblématique régiment de l'armée britannique. La nomination de Camilla Parker Bowles à ce poste a été considérée comme une surprise. Toutefois, elle peut également être interprétée comme une sage décision de Charles III, comme l'explique le Daily Mail. En tant que reine consort, elle est la femme la plus haut placée dans la famille royale. À noter que la reine consort n'est pas la seule femme à être nommée à la tête d'un régiment prestigieux dans le cadre de ce remaniement des postes militaires royaux. Kate Middleton, la princesse de Galles, 40 ans, se voit également attribuer son premier rôle dans l'armée et pas des moindres. L'épouse du prince William devient colonel des Irish Guards.